Waouh! Où sommes-nous aujourd'hui, mes frères et sœurs? Nous sommes bel et bien sur Nyansripan. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nyansripan. Ceci est notre première vidéo du jour. Je pense que si vous voulez nous soutenir, laissez un j'aime. Ça va nous faire vraiment nous booster cette journée. Même si Dieu lui-même, il est celui-là qui nous donne toute la force de faire des choses extraordinaires que nous faisons sur Nyansripan. Et c'est grâce à vous que Nyansripan a aujourd'hui plus de 20 000 abonnés. Merci. Et si vous êtes nouveau, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche, activez-la et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler de quelque chose de vraiment important que vous devez savoir. De quoi s'agit-il? Il s'agit des œuvres du monde des ténèbres. Quand on parle des œuvres du monde des ténèbres, c'est tout ce que les diables et ses démons font ou encore créent dans ce monde comme divertissement, comme musique, comme tout ce que vous voulez. Mais les choses où les démons se retrouvent facilement. Et ces choses-là, quand on dit je n'ai pas les aimer, c'est que il y a un danger derrière. Ce que vous devez savoir pour commencer, c'est qu'un démon accompagne toutes les œuvres du monde des ténèbres. Que ce soit la musique, le cinéma, je ne sais pas quoi. Toutes ces choses, le diable est derrière ces choses et il travaille sérieusement pour combattre qui? Dieu, les chrétiens, dans toutes ces dimensions. Mes frères et sœurs, ces choses sont vraiment réelles et vous devez savoir toutes ces choses. Et si Dieu lui-même nous dit encore de ne pas les aimer, c'est que il y a quelque chose de grave qui se passe également à l'intérieur. Aujourd'hui, je regardais un film et à un moment donné, j'écoutais la personne qui parlait, l'acteur principal, et du coup, il s'est mis à parler mal du Seigneur Jésus-Christ, à parler mal du nom de Dieu. Ah! Quand j'ai regardé et je suis tombé sur ça, je dis franchement, moi je ne vais pas continuer à regarder un film où on insulte le nom de mon Dieu. Je supprime le film tout de suite. Mes frères et sœurs, voici encore un danger. Voici même la raison pour laquelle Dieu ne veut même pas que ses enfants s'affectionnent aux autres du monde éternel. C'est parce qu'à un moment donné, là, il y a quelque chose de grave qui se passe à l'intérieur. Un homme va acheter pour une femme. Il va acheter pour elle va acheter pour un homme. Et vous allez écouter. Vous allez dire que c'est une belle histoire, c'est une belle chanson. Mais à un moment donné là, vous allez découvrir que dans la chanson, on parle mal du nom de Dieu. On insulte même Dieu. On insulte Dieu. Par exemple, vous allez voir, hein, si c'est un film, ils vont créer une situation où on voit une femme, une mère qui aime prier, qui aime aller à l'église et qui demande à son fils de prier comme elle. Et vous allez voir qu'à un moment donné, une situation bizarre va se présenter dans le film, que eux-mêmes qui ont cadré ça, ils savent ce qu'ils font. Ils ne font rien au hasard. Même dans la musique, les paroles ne sont pas faites au hasard. Ils peuvent le son d'écrit quand même. Sinon, comment on va faire? Dans cette situation qu'ils vont créer, ils vont faire de la sorte, ils vont faire comme ça. Du genre, la mère, elle est face à une situation où elle doit tout simplement
régler un problème. Et elle se met à prier. C'est à ce moment-là que son enfant, son grand garçon, son grand fils va venir pour lui dire, « Mais maman, tu pries Jésus, tu vois que Jésus-Christ dans ta vie. Tu vois que Jésus va venir ton secours. Est-ce que Jésus-Christ va descendre du ciel pour te donner ton argent ce matin? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va descendre pour te donner l'argent? Est-ce que tu as Jésus-Christ? Est-ce que Dieu va descendre? Est-ce que Dieu va descendre? Il peut descendre. Est-ce que ça là, c'est fait pour élever Dieu? Quelqu'un va dire, mais où est-ce qui est mauvais dans ça? Où est-ce qui est mauvais dans ça? Ou parce que ces gens font les choses au hasard. Ce qui est mauvais dans ça, c'est que quand ton enfant va regarder ça, lui, il ne va pas prendre les choses au second degré ou au premier degré, comme tu le dis. Ça va rester dans son esprit et il va commencer à ne même pas donner une valeur au Dieu ou encore la première place à Dieu dans sa vie. C'est à ce moment-là qu'il va se tourner vers qui? Le diable. Le diable qui est censé lui donner la richesse ou encore l'argent. Et c'est à ce moment-là que tu vois, tu serais étonné qu'un jour, ce dernier vende son âme au diable pour de l'argent, pour la richesse. Parce qu'il n'a pas appris à faire confiance à Dieu d'abord. Même Dieu a dit quoi? Il a dit, le Dieu, l'homme travaillera à la sueur de son front pour avoir tout, pour avoir tout, pour avoir tout, pour avoir tout ce qu'il recherche, tout ce qu'il veut. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tu travailles, tu veux beaucoup d'argent, travaille, dur. Parce que nous tous, on travaille dur. Est-ce que tu me vois pas ici? Est-ce que tu vois que je suis assis comme ça? Et puis, l'argent tombe du ciel. Ou bien je m'assois comme ça. En même temps, des anges descendent pour venir m'habiller. Non, c'est pas possible. Mais ce qui se passe dans ce film-là, c'est que les gens sont en train de faire quoi? Les gens, ils font quoi? Ils disent la vérité. En même temps, à côté de la vérité, ils mettent le mensonge. Et c'est corrompu pour blaguer, pour doctriner, pour blaguer les gens, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu pour voir que derrière ça, l'enjeu de cette histoire, c'est de pousser les gens à détester Dieu. Et ça se trouve où? Dans les films. C'est dans les films qu'on voit ça. Dans certains films, on parle mal du nom de Dieu. Dans certaines chansons, parfois on insulte Dieu. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas aimer les œuvres du monde des ténèbres. Un gars qui chante pour le diable, même qui a vendu son âme au diable, tout ce qu'il va acheter dans sa musique, ce sera des choses qui seront contre valeur. Il va parler du sexe, il va parler de la drogue, il va parler de la violence. Est-ce que c'est ce que la société a besoin? Non, on n'a pas besoin de ça. Et tous les enfants qui vont se mettre à écouter ces musiques, ils vont tous commencer à faire comme les grandes personnes. Connaître le sexe à bas âge, commencer à soulever des âmes. Un homme de Dieu a témoigné un jour que après avoir prêché à l'église, un enfant l'a appelé et il a dit, homme de Dieu, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que un homme peut-il ôter la vie à un autre homme facilement ou encore simplement comme ça? L'homme de Dieu dit, mais non, mais pourquoi me poses-tu cette question? Il dit, l'homme de Dieu, attends, je vais te montrer quelque chose. Cet enfant-là, il est entré dans la maison, il a envoyé un sachet. Quand il a fait sortir ce sachet, quelque chose de ce sachet-là, l'homme de Dieu a sauté comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'était une arme de guerre. L'enfant de 15 ans-là avait une arme de guerre parce que dans les films, on lui a dit, prends les armes, défends-toi. Dans les chansons, on lui a dit, la violence est une bonne chose. Tu peux faire ce que tu veux quand tu es bien armé. Et quand tu es bien armé, tu as de l'argent. Parce que tu vas agresser les gens pour prendre ce qu'ils ont. Voici ce qu'ils ont appris à l'enfant. Et l'enfant, il allait au-delà de ça. Il s'est mis même à tuer les gens parce que dans certains clips qu'il aimait regarder, même les chansons qu'il aimait écouter, on parlait de violence à l'intérieur. On ne parlait pas de Seigneur Jésus-Christ. On disait que le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une bonne personne. Il a appris la violence depuis sa naissance. Tout ce qu'il sait, c'est comment être violent. Tout ce qu'il sait, c'est comment avoir le sexe. Et à 15 ans déjà, il a déjà tué 10 personnes. Plus de 10 personnes. Et personne ne sait que c'est lui. Parce qu'il est enfant, on ne sait pas. Il a regardé l'homme de Dieu, il a dit,
Homme de Dieu, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? L'homme dit c'est une âme. Lui-même, il était étonné. Il dit, homme de Dieu, avec cette âme, j'ai tué des gens, des innocents. Pas parce qu'ils m'ont fait du mal, hein. Pas parce qu'ils s'étaient fâchés contre moi, mais c'est parce que je voulais les tuer seulement, c'est tout. À force d'écouter les musiques, où on parlait de violence, regarder dans les clips, où on tirait les gens, boum, 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 boum. Les gens font des clips. Et pour se défendre, les gens font des clips où il y a la violence, il y a des armes, il y a tout ça. Et pour se défendre, ils vous disent que c'est juste du divertissement. Est-ce que quand tu regardes les films et qu'on tire, est-ce que ça t'amène à tuer les gens? Mes frères et sœurs, c'est pas tout le monde qui a l'esprit fort. C'est pas tout le monde qui a l'esprit fort. Il y a des personnes qui se laissent emporter par toutes ces choses et qui font comme ce qu'ils ont vu dans les films, comme les gens qui se trouvent dans les films. Tu vois, le voir va dire, ah, je m'appelle tel artiste, j'ai telle chose. L'enfant va se mettre à se droguer. Il va se mettre à boire. Parce qu'il a vu ça dans les films. Et il va se mettre à faire des choses bizarres. Même il peut aller plus loin, à violer sa propre mère. Parce que dans les films, il a vu une telle chose. Il a vu que dans les films, on l'a appris à se masturber. On lui a dit que la masturbation est une bonne chose. Et il a vu également que dans les films, on déteste les chrétiens. On le cite même le nom de Jésus-Christ. Et on dit que les chrétiens, ce sont des hypocrites. Et que Dieu, c'est le méchant. Parce que Dieu, il ne peut pas enrichir quelqu'un. C'est le diable seul qui est le patron de la terre. Et c'est le prince de ce monde, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de vous dire qu'aujourd'hui, le diable est tenté de corrompre la société par ses œuvres. Et quand on parle de ses œuvres, c'est toutes les œuvres du monde des ténèbres. C'est la musique, c'est le divertissement, c'est le cinéma. Toutes ces choses où on fait l'apologie, où encore on fait la promotion du sexe, de la drogue, de l'argent. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui conduisent en général les hommes dans les problèmes. Je vous ai dit, ce matin, je me suis levé et je regardais un film. Pour moi, regarder ce film, c'était genre regarder le monde sous une autre dimension. Et effectivement, j'ai regardé le monde sous une autre dimension et j'ai trouvé quelque chose dans ce monde qui m'amène à faire cette vidéo. Et ce que j'ai trouvé dans ce monde, c'est que dans ce monde, le diable est là et il va inventer toutes sortes de choses. Toutes sortes de diverses choses pour pouvoir faire quoi? Amener les gens à désobéir à Dieu et à ne plus aimer Dieu et à l'aimer lui, Satan, le diable, inconsciemment. Oui. Oui. Et tout ce dont nous sommes en train de vous parler ici, vous n'allez pas me dire que c'est faux. Vous n'allez pas me dire que c'est faux. Mais si celui qui a fait le film, il a voté sur la moto, c'était sataniste. Si celui qui chante cette chanson, c'était sataniste, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr que c'est ça. Et si c'est un homme de Dieu, il va faire tout pour ne même pas vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Il peut même vous amener même à ne même pas prononcer Jésus dans vos prières. Faites attention. Ces choses-là sont réelles. Dieu va vous aider. Dieu peut vous aider. Dieu peut vous délivrer. Mes frères et sœurs, Jésus est Seigneur. Tu es le réel. Sachez ce que vous écoutez. Sachez quel film que vous regardez. Regardez un film là, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu regardes un film, il faut te mettre des choses à l'esprit. Il faut te poser la question, des questions, des vraies questions qui vont te permettre de comprendre certaines choses. Pourquoi faut-il ce film? Pourquoi dans ce film-là, il y a toujours des scènes pornographiques? Pourquoi il y a des scènes immorales? Pourquoi on fait l'apologie, on parle de la prostitution, l'homosexualité, la violence? On parle de tout ce qui est mauvais? Pourquoi aujourd'hui, on insulte le Seigneur Jésus-Christ? Même aujourd'hui, là, les choses ne sont plus cachées.
les gens même vont plus loin. Dans un concert, un homme a envoyé un autre homme, un personnage, à un moment donné, dans son concert, ils ont arrêté la musique et ce personnage est venu. Et tous les projecteurs de celui-là étaient braqués sur lui comme ça. Et on le regardait. Cet homme était habillé en homme pur, en homme saint. Alors qu'il se trouvait dans un stade ou encore dans un lieu où c'était un rappeur qui chantait, un rappeur du monde, quelqu'un qui a dit ouvertement qu'il avait donné son âme au diable. Dès que cet homme est arrivé avec la lumière sur lui, tous ceux qui se sont trouvés dans ce lieu-là, ils ont cru que c'était un ange. Et cet homme, cet artiste-là même qui était sur scène, il s'est prosterné devant lui comme ça, en genoux. Et il dit, oh mon Dieu, merci de me visiter aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que je suis le Seigneur Jésus, que je suis venu te sauver. Il dit, tu dis, tu es venu me sauver. Oh, merci mon Dieu, parce que tu veux me sauver aujourd'hui. Mais moi, je préfère le sexe. Moi, je préfère les drogues. Moi, mon Jésus, là, il aime le sexe. Jésus n'a pas sa place ici. Et la musique a continué. Tout le monde était de crier. Wow! 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 Ça applaudissait. On vous l'a dit. La parole de Dieu dit, n'aimez pas les choses de ce monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'a point en lui. Ne vous affectionnez pas aux yeux du monde des ténèbres. Parce que derrière les yeux du monde des ténèbres, il y a des démons qui sont là. Et dans les yeux du monde des ténèbres, on parle mal de votre Dieu. On parle mal de Dieu. Tu ne peux pas regarder un film où on parle mal de Dieu. On insulte ton Dieu et on te dit d'aller adorer d'autres dieux. Dieu des dieux qui ont plusieurs bras, des statues, qui sont des démons, qui sont censés être des dangers pour ta vie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui là, nous sommes témoins des choses graves qui se passent dans la fin du monde. Nous sommes dans la fin des temps. Et les choses de plus en plus graves vont venir. Et on n'est pas étonné, on n'est pas surpris de voir et de découvrir qu'un homme a déchiré la Bible. Même en plein concert, il arrive que certains d'entre eux brûlent carrément la Bible. Et brûlent carrément la Bible, la parole de Dieu. Il déchire la Bible en plein concert. Carrément. La parole de Dieu, c'est ça qui est combattu. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais pourquoi on ne combat pas d'autres religions? Et c'est la parole de Dieu, c'est la Bible toujours combat. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose dedans que vous ne savez pas. Qui ne veut pas que vous trouviez. Et cette chose-là, c'est sans faire certainement vous sauver la vie. C'est cette chose-là qui va transformer votre vie. Et le diable ne veut pas que vous découvriez cela. Le diable ne veut pas que vous rentrez en possession de cela. Le diable ne veut pas, il ne veut pas aujourd'hui, il ne veut pas demain, il ne veut tout simplement pas. Imaginez la suite. Un homme qui fait un film et il s'était sataniste. Qu'est-ce qu'il va produire? Qu'est-ce qu'il va dire de bon? Parfois, même pendant le film là, pendant que le tournage du film, ils invoquent des démons. Les démons viennent pour posséder les acteurs, certains acteurs, et ils se mettent à faire le film sous possession démoniaque. Et c'est le démon qui fait le film. Oui, on a eu plein de témoignages comme ça. Même il y a un acteur célèbre, il a dit carrément à ses enfants, il a demandé un jour à une interview, est-ce que tu permets à tes enfants de regarder tes films? Puisque dans les de tes films, tu passes ton temps à avoir plusieurs copines, tu couches avec plusieurs copines de tes films, tu parles du sexe, de la drogue, la violence, même tu découpes le bras des gens, tu découpes la tête des gens, tout ça dans le film. Le film est chaud et ça s'appelle un film d'action. Et ça s'appelle un film d'action. Et les gens regardent ça. Est-ce que tu permets à tes enfants de regarder ça? Est-ce que tu permets à tes enfants de regarder tes films? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit?
Il dit, malheureusement, je ne permets pas à mes enfants de regarder mes films. Je suis désolé. Je n'autorise même pas à mes enfants de regarder les films. Parce que dans mes films, il y a des choses franchement, vraiment que vous savez déjà. Je n'ai pas besoin de vous le dire. On dit, mais pourquoi tu fais quand même ces films? Il dit, mais on me paye pour ça, on me paye pour ça. Je fais mon boulot, c'est pourquoi vous voyez toutes ces choses. Sinon, moi-même, je sais que je ne peux pas autoriser ces genres de films à mes enfants. Je ne vais pas permettre à mes enfants de regarder mes films. Je leur donne une bonne éducation. Je veille à ce qu'ils réussissent. Mais je ne permets pas à mes enfants de regarder les films. Ça veut dire que la télévision que vous avez chez vous, que vous regardez là, c'est cette même télévision là qui peut vous créer des problèmes. Parce que si vous ne savez pas, le diable crée des choses pour divertir la société. Et il incite même des démons à inspirer certaines personnes pour créer de telles choses afin de faire quoi? Divertir les gens. Même les déviés de la voix de Dieu ne peuvent leur permettre de regarder, de prier. Tu vois pas que les gens à 19h se positionnent devant la télévision pour regarder des feuilletons, même à 22h. Ils regardent le feuilleton là jusqu'à au moment où ça rencontre là. Ils commencent à dormir, ils ne prient pas, ils s'endort. Le diable vient, il s'assoit sur lui comme ça. Il étouffe. S'il s'est réveillé le matin, lui, il n'arrive même pas à comprendre comment il s'est réveillé. En fait, quand tu as regardé le film là, ou encore la télévision là, des démons sont venus te visiter. Ils sont passés à la télévision là, c'est spirituel, vous ne pouvez pas voir. C'est spirituel. Ces démons là sont entrés chez vous, dans ta maison. En même temps, ils sont entrés où? En toi. Mais tu ne sais pas. Si tu es encore vivant là, c'est la grâce de Dieu. Si tu es encore vivant, c'est la grâce de Dieu. Quand le Seigneur disait de parler de ça dans la parole de Dieu, les gens disaient, oh Seigneur Jésus-Christ, tu parles trop. Dieu, tu parles beaucoup. Tu ne veux pas qu'on s'amuse, tu ne veux pas qu'on se divertisse. Tu ne veux pas qu'on fasse ce qu'on veut. Tu ne veux pas qu'on devienne la personne qu'on veut. Tu ne veux pas nous laisser faire nos choses. Laisse-nous faire les choses qu'on veut. Laisse-nous faire les choses qu'on veut. Voici ce qu'on chante dans les chansons. Laissez-nous faire les choses qu'on veut. Laissez-nous faire les choses qu'on veut. Le diable veut que vous fassiez ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez est contraire à ce que Dieu lui veut. Est-ce que vous comprenez? Et pendant que vous serez en train de faire ce que vous voulez, vous allez ressembler au diable. Pourquoi? Parce que vous allez chercher à ressembler qui? Aux célébrités. Vous allez chercher à ressembler qui? À tous ceux qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Mes frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Laissez-nous faire les choses qu'on veut. Laissez-nous faire les choses qu'on veut. C'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent en enfer. Les gens se masturbent, ils se disent pas que c'est un péché. Les gens prennent de la drogue parce qu'ils ont vu ça dans le film. Ils prennent de la drogue aujourd'hui. Demain, ils prennent une drogue. Après, ils prennent une drogue. Et ils font comme ça. J'ai eu ma dose. C'est une sensation forte. C'est une sensation quoi? Tu ne sais pas que quand tu prends de la drogue là, et que tu es dans cette dimension là, les démons entrent facilement en toi. Oui! C'est une position qui permet aux démons d'entrer facilement dans les hommes, de vous posséder facilement. Ça fait que ceux qui se droguent là, ils ont plein de démons en eux, mais ils ne le savent même pas. Si vous leur dites, mon frère, tu es possédé, il va dire, mais de quoi tu parles? Il y a l'impression que toi-même tu es fou. C'est exactement ça. Une société bizarre. Une société extrêmement étrange. Et ce qui se passe dans ce monde est à toi, c'est horrible. C'est exactement ce qui se passe, mes frères et sœurs. Et il y a des sorciers. Et parmi les acteurs, il y a des sorciers. Et quand ils vont même à l'inspecteur pour se donner des récompenses, là-bas, ils chantent. Même au cours de ce spectacle, il y a des rituels qui se produisent, qui se passent. Et vous, vous êtes là, vous regardez la télévision, vous ne savez pas ce qui se passe. Nous sommes dans un monde où le diable domine, où le diable veut transformer ce monde-là à un endroit où tu entres et tu vois des femmes nues. Tu vas dans la société, tu vois que des femmes nues seulement. Des femmes nues. Pourquoi? Parce qu'elle a vu à la télévision. Elle a regardé une chanson où elle aimait cette femme. Et peut-être qu'elle aimait cette femme, elle aimait le diable en même temps, mais elle ne savait pas. Et c'est ce démon-là qui est entré en elle parce qu'elle a ouvert la porte de son cœur. Et ce démon-là entre dans son esprit. Ça fait que ça habille mal. Quand elle s'habille comme ça, là, ne passez pas à côté d'elle.
Si vous aimez vous masturber, vous allez aller vous masturber. Si vous aimez les femmes, vous allez aimer les femmes. Et ce qui se passe aujourd'hui est grave de chez grave. Si on vous a pas dit ces choses, vous allez dire, on vous a pas informé. Le monde est devenu grave et bizarre. Les sociaux sont là. Les deux mondes travaillent. Mais la chose que vous négligez la plupart du temps, c'est aussi ça. La perversion sociale. Les lois qui sont votées pour encourager les pédosatanistes à commettre des crimes. Le diable qui est en train de s'installer progressivement dans la société. Et les gens oubliés que Jésus revient. Et que ce sont des signes qui nous amènent à vraiment croire que ce que Dieu a dit est vrai. Ce sont des signes qui ne trompent jamais. Ça veut dire que si vous êtes endormi, réveillez-vous aujourd'hui. Si vous avez sommeil, nettoyez vos yeux. Si vous êtes assis, levez-vous. Rentrez dans la parole de Dieu. Repentez-vous. Vous êtes allé à l'église, on vous a prêché l'évangile de la prospérité. On vous a dit, Jésus béni. On sait que Dieu béni. Qui n'est pas au courant? On vous a dit, Dieu te donne une maison. Qui t'a dit qu'on est fait pour dormir dehors? Dieu va nous donner une maison, bien entendu. On vous dit que Dieu est glorieux, il est bon. Tout le monde sait que Dieu est bon. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de se masturber et que c'est un péché. C'est qu'ils sont en train de commettre l'iniquité et que ça, c'est pas bon. Ça va les conduire à l'enfer. On ne parle plus de ça. Parce que si on parle de ça, les gens de l'église vont quitter l'église. Les personnes qui ont l'argent de l'église là, vont dire, oh, puisque tu parles mal de mon vêtement, puisque tu dis que je s'habille de bien de façon sexy, ça me conduit à l'enfer, moi je préfère aller à l'enfer et ne plus te donner de l'argent. Il y a des hommes de Dieu ont peur que le peuple quitte le chemin parce qu'il ne faut plus avoir d'argent. Quitte l'église. Mais la personne qui se trouve devant toi, qui te donne de l'argent toujours, et qui embellit son péché tous les jours, là, cette femme-là, qu'elle va mourir, elle va te retrouver à l'enfer là-bas. Et tu sais ce qu'elle va te dire? Tu aurais dû me prêcher la vérité. Tu aurais dû me prêcher la vérité. Et elle va te torturer. Le démon même là, sera là aussi. Vous serez tous les deux dans le feu. Chaque jour, il va dire, c'est à cause de toi que je suis là. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est toi qui est mon problème. Ce jour-là, tu vas dire, mais comment? N'aimais-tu pas que je te prêchais l'évangile de la prospérité? Est-ce que ça ne te réjouissait pas? Est-ce que quand, moi, l'homme de Dieu, je te visitais souvent chez toi et que je couchais avec toi, est-ce que ça ne te plaisait pas? Voici ce qui se passe dans l'église. Une femme voit un homme de Dieu et l'homme de Dieu lui dit, pour pouvoir être bien délivré, il faut que nous deux, on ait des rapports sexuels pour que l'onction de Dieu se communique. Et il va se mettre à prier sur elle. En même temps, il va toucher ses seins. Il touche ses seins et il lui dit, c'est l'onction des seins, c'est pour délivrer les démons. D'éventuels démons qui sont positionnés là, au niveau des tessins. Et on voit, c'est un homme de Dieu dans les films. Dans les films du genre où on dénonce les trucs du monde éternel, la sorcellerie. Le film se passe bien. Quand tu regardes le film, ça parle de sorcellerie, comment tu es, comment tu es, comment tu es. Et à la fin, on positionne là, à la fin, du genre, un vrai homme de Dieu qui va venir pour délivrer quelqu'un. Mais en fait, quand les gens vont regarder ces films, ils vont plus retenir le mal que le bien. Et c'est ça même l'objectif du diable en faisant de tels films. Parce qu'en général, ceux qui font ces films ne sont pas des chrétiens, ce sont des satanistes, ce sont même des païens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Le diable travaille. Si vous ne me croyez pas là, allez encore regarder ces mêmes films et regardez les acteurs des films là. Quel rôle ils jouent encore dans d'autres films qu'ils ont tournés. Venez voir dans la vie réelle. Sont-ils les vrais chrétiens? Cherchez. Même il y a un film qu'on appelle, une catégorie de films qu'on appelle les films d'horreur. Les gens regardent les films d'horreur et ils sont contents. Mais après là, ils ont peur. Parce que dans les films, ils voient des choses qui leur font peur. C'est normal. C'est normal. La peur là, si vous ne savez pas,
C'est un démon. C'est un esprit. C'est un esprit qui crée la peur. Et cet esprit, cet élément qui suscite la peur en vous, c'est le contact avec ce film. C'est le film que vous regardez. C'est ce film que vous êtes en train de regarder là. Et quand vous allez regarder ce film va provoquer en vous la peur ou encore la sensation de peur. À cause de ça, vous aurez peur de rentrer dans la douche pour uriner. Vous allez vous abriter à votre mari comme ça, ou bien à vos frères, à vos parents, si vous n'avez pas encore marié. Parce que vous avez peur, même pour sortir la nuit. Vous allez pisser sur vous sur le lit. Vous avez peur. Mais, ça là, ce que vous ne savez pas, c'est que ceux qui ont fait le film, ils ont fait ce film pour que vous ayez peur. Vous avez peur. Et même pendant le film, il y a eu des démons qui sont venus là et qui ont fait le film avec eux. Et vous, quand vous regardez le film, forcément vous aurez peur. Parce que ce que vous voyez dans le film, c'est pas une créature de ce monde. C'est effectivement un démon qui existe. Il est réel. Et ce démon est présent dans le film. Et il fait son travail pour susciter la peur chez vous. Et une fois que vous aurez la peur, ce démon-là va quitter le film et venir maintenant dans votre sommeil, dans vos rêves. Quand vous serez en train de dormir, vous allez le voir en songe. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous remarquer que vous êtes en train d'être poursuivi par un démon. La dépression va commencer. Là, ça va ouvrir des portes à d'autres démons qui vont venir maintenant s'installer dans votre vie et se mettre à détruire votre vie progressivement. Ce qui est étrange, vous ne saurez jamais que c'est le film d'horreur que vous avez regardé là, qui a occasionné cela. Et ce que vous remarquez dans le film d'horreur, il y a du sang. Il y a du sang partout. Et il y a certains jeux vidéo, ou la plupart des jeux vidéo, on tue les gens seulement. On voit le sang partout. Tu ne peux pas jouer à ce jeu-là sans tuer quelqu'un. Tu ne peux pas jouer à ce jeu-là sans faire du mal à une personne. Même voler. Il y en a. C'est ce qu'on appelle les œuvres du monde des ténèbres. Ce sont les films, les musiques. On ne dit pas tous les films. Hein. On parle de certains films. Avec plusieurs détails. On parle de la musique. La musique de ceux qui ont vendu le âme au diable. Ou encore que ce sont des satanistes. Les éléments ont été cités ici. Il y a plein d'autres éléments. Vous-même là, vous pouvez réagir dans la partie commentaire et nous dire quels sont les éléments qu'on a oubliés. Parce qu'il y en a plein. Si on veut tout dire ici, on ne peut pas quitter. Peut-être même c'est la première partie qui est là. C'est la première partie même qui est là. Troisième niveau. Il y en a plein. Le diable et ses démons, ça sait chaque jour. Et ils font des complots contre nous. Chaque nuit, leur objectif, c'est comment faire pour plonger l'humanité dans la souffrance, dans le désarroi, dans la destruction. Comment les détruire, ceux qui se rencontrent. Et ils passent par les films, les musiques, les artistes célèbres, qui sont mal habillés, mal vêtus, ils sont habillés comme des démons, qui mettent des mécas, qui font tout ce qui est mauvais, même qui se prostituent. Oui, tu vas voir, qu'est-ce qu'a dit célèbre là? Un jour, à une interview, ils vont nous poser une question de savoir, est-ce que tu as un copain dans ta vie? Est-ce que tu es marié? Elle a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec un mari? Le mariage est une prison. Elle interdit toutes ses femmes de se marier. Deuxième élément, elle a dit, de toute façon, moi là, je change de copain comme je veux. Et si tu n'es pas capable de coucher avec moi trois fois par nuit, trois fois une nuit, ou en par nuit, c'est que je ne fais rien avec toi. Et tous ces femmes seront en train de faire quoi? Faire comme elles. C'est à ce moment-là, vous allez voir qu'elle va acheter encore une autre chanson pour dire, le pointeur doit payer. Le pointeur doit payer cash. C'est-à-dire qu'elle a été de faire quoi? La promotion de quoi? La prostitution. Et tous ceux qui vont sortir avec vous doivent forcément débourser de l'argent. Vous devenez une prostituée. Et toutes ces choses, tout dans la société. Je dis que si nous voulons parler de ces choses en long et en large, on ne quittera pas ici. Mais Dieu est en train de vous dire ici aujourd'hui la raison pour laquelle il vous a dit n'aimez pas les yeux du monde des ténèbres, ne vous affectionnez pas aux yeux du monde des ténèbres. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Parce que tout ce qui se trouve dans ce monde, les belles choses, les choses qui brillent, qu'on nous présente, même les gens qui font du bruit,
En général, il présente des choses qui conduisent le monde entier à l'enfer. Malheureusement, ces personnes sont suivies, ils ont des millions de vues, beaucoup d'âmes vont à l'enfer. Et le 3/4 des humains se retrouvent dans de mauvaises situations. Il est 9h45. J'espère que quand cette vidéo sera disponible et que vous tomberez sur cette vidéo, ça peut changer votre vie et vous ouvrir les yeux et vous aider à poser de bonnes actions. Dans ces derniers temps-là, on prie. Et prier beaucoup, c'est très bon. Mais ce que vous devez faire après la prière, c'est d'obéir à la parole de Dieu, lire la parole de Dieu pour découvrir la vérité sur les ruses du diable ou encore ce que le diable se prépare à amener pour vous combattre. Et vous devez tout simplement poser des actions qui vont vous sauver la vie. On le dit là, on pose des actes. Si tu te masturbes là, mon frère, arrête de te masturber. Et pour arrêter de se masturber là, il faut prier, c'est bien. Le démon de la masturbation peut fuir. Parce que c'est un démon qui est derrière. Mais toi, tu risques d'appeler les démons là si tu n'as pas une foi solide. C'est à ce moment-là que tu dois dire non au péché. Tu dois aller en salle de désintoxication. Oui, oui. Parce que pour aller en enfer là, il faut faire des sacrifices. S'il faut couper la masturbation comme ça, pour le bras de la masturbation, il faut couper pour jeter. Il faut couper. On ne dit pas de couper ton bras physique, hein. C'est spirituel. Il faut le faire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu permet que nous regardions cette vidéo. C'est la première vidéo de cette semaine. Si cette vidéo vous a choqué, franchement, je préfère que vous soyez choqué aujourd'hui pour que votre vie change demain. Oui! Je préfère vous voir aller au paradis au lieu d'aller à l'enfer. Moi, j'aime les gens. J'en ai marre de voir les gens aller à l'enfer. Vous pouvez vous habiller comme ça. Est-ce que je suis mal habillé? Je ne suis pas plus bien habillé que vous. Mais je fais mon effort pour plaire à Dieu. Nul n'est pas fait. Vous pouvez également faire des efforts. Dieu vous voit. Il voit les efforts que vous allez faire. Vous faites déjà. Il va vous aider. Mais si vous remarquez que vous péchez et vous tournez autour du même péché, vous tournez autour du même péché, toujours c'est le même péché que vous faites tomber, c'est qu'il y a un démon qui est derrière. Et vous devez tout faire pour renverser ce démon. Regardez les films, c'est bien. Mais si tu regardes un film où on parle mal de ton Dieu, ou ce film-là te pousse même à te masturber, et toi, tu remarques que la masturbation, c'est un truc que tu connais à l'enfer, évite-le. On vous a dit que derrière un péché se trouve un démon. On vous a dit que derrière un péché, là, se trouve un démon. C'est comme un démon marche derrière toi comme ça, à cause du péché. Il te suit. Parfois, là-même, là, il vient dans la rue et te dit bonjour mon frère. Toi si tu réponds bonjour, quelle heure est-il? Tu réponds même. Et puis il te dit, toi tu n'as encore rien vu. Tu es un chrétien hypocrite. Quoi? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous parle, Dieu nous instruit, Dieu nous révèle des choses que nous devons découvrir. Et ce que nous devons découvrir, c'est que Jésus, c'est bon, Jésus est bon. Jésus peut sauver. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que beaucoup de personnes ont été sauvées. Des témoignages arrivent encore après cette vidéo. Vous serez surpris. Nous sommes en train de traiter une série d'histoires incroyables, je ne sais pas. Vous pouvez découvrir ces vidéos déjà, qui sont déjà en ligne. Et d'autres vidéos qui vont venir. Et ce que vous allez découvrir va vous étonner. Ça risque de vous dépasser. Et quand vous allez voir ces choses, franchement, vous serez surpris d'être surpris parce que Dieu lui-même sera là. Dieu va vous révéler des choses qui vont vraiment vous étonner. Aujourd'hui est lundi. Peut-être vous êtes encore dans le dimanche selon l'heure où on se trouve.
Mais le jour où vous allez regarder cette vidéo, c'est le jour où votre vie change. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, qui va carrément changer votre vie, transformer votre vie aujourd'hui et vous permettre de grandir spirituellement. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Seul Dieu peut nous aider. Seul Dieu peut nous sauver. Et c'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse vos soeurs. En tout cas, c'est de tous abonner, cliquez sur abonner, vous activez la cloche et prenez la bonne décision qu'on vous a dit. Si vous avez les yeux du monde éternel chez vous, enlevez-les chez vous. Une femme, elle a trouvé un jour une poupée, la poupée de sa fille, en train de danser devant un dessin animé. Cette poupée-là dansait dans la vie réelle. Cette poupée-là dansait. Quelle a vu cette poupée-là? Elle-même était dépassée. Mais comme son enfant se trouvait à côté, elle était obligée d'avoir un cœur court, c'est-à-dire d'avoir le courage de pouvoir prendre cette poupée-là, qui dansait là, aller brûler cette poupée-là. Et, mes frères et sœurs, une autre femme aussi, à cause des dessins animés, ou de ces dessins animés occultes, parce qu'un dessin animé que vous regardez où on parle de sirènes ou de sorcières, c'est un dessin animé satanique ou encore occulte. Et de ce dessin animé, la faute de ce dessin animé, un serpent est venu dans la maison de son enfant. Et ce serpent-là passait tout le temps à lécher le sexe de son enfant. Et l'enfant avait peur. Quand il voyait ce serpent, il criait. Malheureusement, ses parents ne pouvaient pas voir ce serpent. Mais le jour où ils ont découvert que dans la maison, il y a des choses qui sont en relation avec ce dessin animé, et que ce démon-là, qui est à sa maison, et il est présent à sa maison parce que les choses, ces choses du monde éternel dans sa maison, chez lui, ou encore dans sa maison, ils ont décidé d'enlever de la maison tout ce qui appartient à ces deux mondes. Voici comment ils ont été délivrés. Une autre femme avait des make-up sur son visage. Elle voulait chasser un démon au nom de Jésus-Christ. Ce démon dit, je ne peux pas partir parce que tu as des choses qui m'appartiennent sur toi. Tu as un make-up, tu as des rouges à lèvres, tu as des vernis à ongles. Tu ne peux pas chercher le nom de Dieu, tu ne peux pas chercher Dieu à mon nom. Elle a cherché les démons, elle était fatiguée. Ces démons ont refusé de partir. Mais quand elle a décidé d'enlever ses make-up, enlever la partie de ses cheveux qui sont teintés, ce jour-là, ce démon a pris la fuite. Parce que il y a ces démons-là, pour sortir, il faut le jeûne et la prière, mais aussi un comportement à l'appui. Ce comportement-là va vous permettre de changer votre vie. Ou encore, ça vous permet d'être délivré. Il n'y a que ça. Si vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'être riche, donnez, payez les dîmes et les offrandes. Dieu va vous aider. Si vous avez besoin de ces choses, c'est bien. Dieu va vous secourir. Mais posez de belles actions qui vont transformer votre vie. Nous avons parlé ici, nous avons parlé. Dites tout ce que vous voulez, tout ce qu'on veut. Mais posez des actions. Même moi-même qui vous parle. Quand j'ai appris qu'il y a certaines musiques qui sont du monde éternel, je les ai supprimées, je les ai abandonnées. Et quand je l'ai fait, j'ai été libéré jusqu'à aujourd'hui. Et même quand j'ai appris que dans la musique chrétienne, il y a des sorciers qui sont là, ou il y a des satanistes chrétiens, des satanistes, des agents du diable, des sorciers qui chantent pour Dieu, j'ai commencé aussi à analyser ces genres de chansons et les clips. Et j'ai trouvé des 666 là-bas, j'ai abandonné ces genres de chansons. Fouillez votre portable aujourd'hui. Rentrez dans votre cœur, rentrez dans votre maison. Et regardez tout. Faites un 360 degrés. Et cherchez à savoir, est-ce que chez moi, il n'y a pas de choses du monde éternel? Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Jésus, le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Dieu nous parle aujourd'hui dans toutes ses dimensions. Et il est prêt à nous sauver. Il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous guérir. Venons à lui et il fera le reste. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Tous ceux qui veulent venir à Dieu, faire cette prière, levez les mains, tous les deux mains, en genoux, dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, entre dans ma vie, entre dans ma maison. Ouvre mes yeux afin qu'ils puissent voir tout ce qui ne te glorifie pas, afin de les ôter de ma maison.
Change ma vie aujourd'hui. Fais-moi rayonner de gloire et mets-moi sur ton chemin. Conduis-moi dans ta parole. Guide-moi tous les jours de ma vie et fais de moi l'homme selon ton cœur. Amen. Dieu vous aime. Il a entendu votre prière. Lisez la parole de Dieu. Découvrez des choses dans la parole de Dieu qui vont vous aider à avancer. Et que l'amour de Dieu soit en vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Je veux Amen aujourd'hui. Si vous êtes content, s'il te plaît. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à ici. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. C'était long, mais nous avons essayé de faire ce que nous pouvons pour vous dire carrément ce qu'il faut. Les films que vous regardez font 2 heures du temps, même vous pouvez faire toute la vie. Moi aujourd'hui, Dieu a pris une seule heure pour vous parler. Une seule heure de la maison de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Aujourd'hui, vous recevez Dieu dans votre vie, c'est extraordinaire. Et moi-même, je suis content de ce que Dieu a passé par nous pour faire ce genre de choses. Et c'est une bénédiction pour moi, parce que la bénédiction de Dieu est divine. Et c'est stade chez vous et dans notre maison aujourd'hui. Pour nous souhaiter vous, il y a ce bar. Que Dieu bénisse vos soeurs. Let's go. C'est pas un africain. C'est pas un africain.